bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture de colis. Donc effectivement, j'ai reçu un colis de la boutique Elitlian Wonderland. Donc comme vous le savez, Vanessa est plus qu'une partenaire, c'est quand même plus une amie pour moi qu'une partenaire uniquement. Donc voilà, c'est une boutique dont je vous ai très souvent parlé, voilà. Donc Vanessa m'a fait parvenir donc les nouveautés du site. Donc on a plein de petites choses super mignonnes, j'ai jeté un coup d'œil mais sans plus pour essayer de découvrir avec vous. Donc voilà, donc on va ouvrir ce colis ensemble et juste avant cela, j'aimerais vous présenter une nouvelle poupée. J'aimerais savoir si vous aimeriez la voir en tuto. Voilà, donc c'est Hermione, donc c'est une petite chibi que j'ai réalisée sous les coups de 3h du matin. Effectivement, je dors très peu la nuit et je passe mon temps à créer. Donc voilà, c'est le seul moment que j'ai pour pouvoir créer tranquillement en dehors du travail, donc du coup c'est cool. Voilà, donc c'est Hermione, voilà, vous l'avez reconnu, avec le symbole des reliques de la mort, pour ceux qui connaissent, enfin moi je suis trop fan. Mais voilà, je voulais savoir si ça vous intéresserait, donc c'est une petite parenthèse. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude. Sinon, rejoignez-moi ici sur Instagram, je vais vous mettre un lien là, car je suis très active dessus et je mets toutes les nouvelles créations à venir, les prochains tutos, etc., etc. Donc je vous invite à rejoindre sur Instagram. Et voilà, on passe tout de suite maintenant à l'ouverture du colis. Donc comme d'habitude, c'est très bien emballé, très bien décoré, tout le temps. Ça fait juste trop plaisir de voir des petits colis arriver super propres, moi j'adore. Alors, donc oui, j'avais déjà ouvert quand même parce que sinon on allait passer 2 heures à ouvrir. Hop, voilà, et oui, il y a dedans la carte du site. Donc ça, vous connaissez. Voilà, donc c'est... la petite carte de la boutique est trop mignonne, comme d'habitude. Alors, donc, j'ai 2 petits sachets. Donc, on va commencer par le moins chargé. Comme ça, on aura plein de surprises sur la fin. Alors, donc, pour le premier sachet. Alors, on va tout vider. Ah, 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 on a des belles choses. Alors, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc pour commencer, j'ai reçu des petites perles, donc je pense qu'elles sont en plastique, oui. Attendez, je ne veux pas vous dire de conneries. Ouais, elles sont en plastique. Donc c'est des petites perles en plastique, plutôt sympa, dans des tons vraiment très doux, j'aime beaucoup. C'est pas flashy, c'est bien, c'est très joli. Ensuite on en a d'autres ici avec un effet un petit peu mélangé, j'espère que vous voyez bien. Hop, voilà, avec plusieurs couleurs, donc très joli aussi. Ensuite, des petites perles, donc plus petites que celles d'avant. Donc celles-ci sont en plastique aussi. Voilà, de toutes les couleurs, pareil, très jolies. Que l'on peut assembler avec pas mal de créations. Ensuite, j'ai reçu des petits pitons, donc de couleur or. Donc ils sont bien réguliers, impeccables. Dans la gamme des petites breloques, j'ai reçu... Hop. Donc ça c'est la grande mode en ce moment, donc ça j'adore, j'ai juste trop d'idées là-dessus. Ce sont des, vous savez, tout ce qui sert à faire comme l'intérieur des montres ou quoi, c'était fait un petit peu starpunk, un truc comme ça. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, donc j'en ai 2 de chaque à chaque fois. Hop. Ensuite, d'autres petits pitons de couleur argent cette fois-ci. Ici, ça c'est des attaches, vous savez, pour les chaînes à billes. Donc ça c'est très pratique, mais je n'ai pas de chaîne à billes. Je suis absolument pas équipée de chaîne à billes, donc il va falloir que je m'en trouve. Voilà. Ensuite, on a... Ça je vais vous sortir, parce que je sais pas. Ah oui, voilà. Donc ça doit être des attaches, je pense. Voilà. J'ai dû feutre. Ouais, je pense que ça doit... Je veux pas dire de conneries. Normalement c'est des attaches, j'espère que je ne me trompe pas. Bon, voilà. J'ai reçu un très joli ruban. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que là on a un petit effet de dentelle. C'est tout à fait dans le style actuel. Donc là je pense qu'il y a 2 mètres. Non, 1 mètre, je dirais 1 mètre, ouais. Voilà, donc là c'est donc il est bleu avec un effet de dentelle blanc dessus. J'aime beaucoup. C'est absolument dans le thème de mes chibis du moment. Elles sont... trop belle. Ouais, super petit ruban. Ensuite, on a donc tout ce qui est matériel. Voilà, donc ça, je crois que c'est des... Oui, c'est des matériels de montage. Hop, voilà, ces petits accessoires. Ça. Voilà. Encore des petits accessoires, donc de montage. Hop, comme vous pouvez le voir. Tic,
tic-tic. Donc je monte pas beaucoup de bijoux, mais c'est vrai que là, tout ça, ça va pouvoir me servir. Ensuite, il y a des petites fleurs breloques. Hop. Donc celles-ci sont très jolies. J'aime beaucoup. Elles brillent. Super. Super petite poche. Je suis trop contente. On va passer maintenant à la deuxième petite poche. Donc là, celle-ci est bien bien chargée. Je vois des trucs dedans qui sont juste trop trop beaux. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Hop. Oula. Là, il y en a. Alors, donc on va commencer par les anneaux. Alors j'ai reçu 3 tailles d'anneaux. Je vais zoomer un peu. Voilà. Alors ceux-là sont super jolis parce qu'ils sont pas or jaune. Bah regardez, vous voyez bien la différence. Donc là on a l'or qui est vraiment jaune jaune. Et là on a de l'or qui fait un petit peu blanc. Je sais plus comment on appelle ça. C'est comme la chaîne là. Super joli. Donc des grands anneaux. Donc je pense que... Alors soit c'est du 6 mm, 8 mm ou... Faudra que je regarde, mais voilà, j'ai 3 jolies tailles, donc ça c'est impeccable, ça sert toujours. Donc des jolis petits anneaux dorés, hop. J'essaierai de vous mettre tous les prix en petit, comme ça vous saurez retrouver les articles. Hop, donc j'ai eu des clous à œil, de couleur dorée, de la chaîne, donc assez grosse maille, ça va changer un peu parce que j'ai toujours de la petite maille. Hop. Est très très jolie, elle est vraiment très jolie, hein. Je suis en train de m'extasier sur la chaîne. Bon, alors on continue. Une petite poche de breloques. Donc là j'ai 3 petits arbres et 3 petits flocons, donc ils sont trop mignons. En plus c'est la période de Noël qui approche, donc là ça tombe vraiment bien. Hop, voilà. Ensuite, donc on a toute une série là d'effets cuivrés un peu or vieilli, ancien, antique, je dirais. Donc j'ai eu les petits pitons à vis, petits clous vis, ça c'est cool. Les gros anneaux, donc comme les ors, mais voilà, effets vieillis. Donc ils sont pas mal, hein. Franchement, ils sont super jolis. Hop, ensuite, les moyens et les tout petits, donc voilà. Ah, vous voyez super mal, je suis trop désolée, mais ma lumière. Hop, voilà, là vous voyez bien. Celle-là. J'aime bien cette taille-là parce qu'elle est entre les deux et c'est bien pratique. Hop, voilà. Et de la chaîne, donc qui est plus fine au niveau de l'émail que l'autre. Donc pareil, effet vieilli là. Donc ça c'est bien, on va pouvoir faire tout un bijou avec ce nouveau style. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai reçu 4 petits mousquetons. Hop, si je me mets dans la caméra, ce sera mieux. Voilà. Ensuite, des petites breloques encore. Donc là, on a... Trop mignon. 3 petites parts de pizza et des petits cœurs. Donc ça, c'est super mignon. Ça peut se mettre partout. Ça me donne quelques idées. Ça peut être pas mal. Une chibi gourmande qui tiendrait une pizza dans la main, ça peut le faire. Voilà. Ensuite, j'ai reçu également 5 petits mousquetons. Donc ça va être pour... Ah, ils sont trop trop beaux. Hein. J'aime beaucoup. Ouais, impeccable. Super. Désolée, mon téléphone vient de sonner. Ensuite, j'ai reçu des petites perles. Donc ça, c'est une super couleur, un peu fuchsia. À la caméra, ça fait violet. Mais en vrai, non, ça fait vraiment plus rose. Vraiment plus rose que violet. Super jolie. Donc elles sont en plastique aussi. Ensuite, j'ai reçu des petites... Ah oui, ça, c'est des connecteurs. Hop, ah, ça, c'est super joli. En fait, c'est un effet de branche un petit peu, là. Oh, génial. Ah, ça, c'est top. Voilà, donc 3 petits connecteurs. Et là, on va passer à ce que j'aime le plus. Ah non, il reste encore des trucs. Donc là, on a aussi les petits clous à œil effet vieilli. Des petits anneaux argentés. Tout petits. Donc là, je dirais genre... 2 ou 4 mm, je sais plus, je suis très très mal au niveau des tailles, je sais jamais les tailles, mais voilà, elles sont tout petits comme vous pouvez le voir. Et là, ça c'est le truc que je préfère le plus, c'est les supports cabochons. En plus, ils ont l'air juste trop beaux. Alors, donc on va ouvrir le premier qui est juste sublime. Waouh là là, regardez-moi ça. Alors celui-là, c'est une tuerie. Il est trop trop beau. Oh. Un peu petit,
pour mes têtes de poupée, mais je trouverai à faire autre chose avec. Super joli. Donc tout ça là vous pouvez le retrouver sur la boutique, hein. Je vous invite vraiment à aller voir parce que là voilà j'ai une partie de ce qu'il y a, mais il y a vraiment plein d'autres choses et vraiment pas cher quoi. Enfin franchement moi cette boutique je vais jamais m'en remettre, hein. Quand je vois les prix de la boutique je me dis que c'est juste pas possible d'avoir d'aussi belles choses à si peu cher. Voilà celui-ci qui est très joli aussi. Là ça c'est mon préféré, j'ai trop d'idées avec. Ça c'est mon gros coup de cœur. Alors ça c'est trop beau. Voilà donc ce sont des encres. Donc moi qui fais des chili pirates comme vous l'avez fait remarquer et que vous adorez ma poupée. Voilà, là j'ai trop d'idées, je vois trop une tête au milieu. Ici une carte au trésor avec le petit cabochon par-dessus. Enfin voilà quoi, ça va trop claquer, je vais vous faire un tuto dessus. Obligé. C'est trop joli, ils sont magnifiques. Vraiment super jolis. Ou alors je vois bien une chibi enroulée autour. Enfin, j'ai trop d'idées, je vous montrerai ça de toute façon, mais là j'ai trop d'idées avec ça. Ensuite, on en a un autre qui est beaucoup plus sobre, mais que j'aime beaucoup parce qu'il y a ce petit effet de gouttelette. Ça, c'est super joli. Voilà, avec bien évidemment le petit support par-dessus. Hop. Ça, c'est trop joli. Petite goutte. Voilà. On en a ensuite un autre qui est tout aussi joli. Voilà, en fait, ils sont tous beaux, en fait. On peut pas choisir, c'est pas possible. Celui-là est super joli. On approche de la fin, ça y est. Celui-ci qui est vraiment original, j'en avais jamais vu des comme ça. Jamais avec un truc en dessous, en fait c'est toujours au-dessus et tout, mais celui-là est super joli. J'adore, magnifique. Vous avez vu comment il brille? Trop beau. Et le petit dernier, ça y est, on arrive déjà à la fin. Je suis triste, mais bon, j'ai eu beaucoup de choses. Et voilà le dernier, qui est aussi... beau. En fait, je répète tout le temps les mêmes mots, mais ils sont tellement beaux que je ne peux pas dire autre chose. Donc voilà, je vais vous montrer la totalité de la commande, enfin du colis partenariat, car c'est un partenariat. Et voilà toute la commande. Donc comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup de choses. Je remercie encore Vanessa pour sa confiance et son engagement, car c'est une personne vraiment avec qui on peut parler. Voilà, c'est vrai que c'est pas comme certaines boutiques où on nous balance des colis et démerdez-vous en gros. Là c'est pas du tout le cas, c'est une personne qui est très à l'écoute. Et d'ailleurs au passage, donc Vanessa qui est donc la gérante de la boutique est actuellement en partenariat avec Miss Creative, donc que vous connaissez probablement, pour un concours. Donc je vous invite vraiment à aller sur sa boutique, à aller aussi participer au concours. Donc il y a 50 gagnants il me semble, donc c'est super, voilà, franchement je suis contente pour elle et c'est... c'est une boutique qui mérite d'être davantage connue et voilà, elle mérite encore d'être connue plus qu'elle l'est déjà. Donc vraiment, je vous encourage et je vous fais plein de bisous. J'espère que cette petite ouverture vous aura plu. À très bientôt et rendez-vous sur le site Elika Wonderland. Gros bisous à tous.